C'est l'une des plus grandes réserves animalières de la planète. 20 000 km² de savane, peuplée des plus beaux animaux. Avec Philippe, nous survolerons les montagnes du Drakensberg. C'est un des derniers espaces de liberté dans le monde. Au pied de falaises vertigineuses, nous plongerons dans l'eau glacée de la rivière Blyde. Avec Michel Laforêt, nous longerons les berges troubles de l'Oliphant River. Il est énorme, énorme crocodile. Ils arrivent comme ça, ces gros crocodiles, là, il faut au moins 5 mètres, à capturer des petits hippopotames. À basse altitude, nous pisterons les braconniers. Chaque jour, dans le bush, des rhinocéros sont abattus. On a essayé de trouver la balle, mais sans succès. Elle a dû traverser l'animal de part en part. Et puis, avec Anna, nous suivrons la formation des futurs rangers. Cock and release. Enfin, avec Marion et Fabrice, nous découvrirons la vie dans un lodge sud-africain. La savane du Timbavati fait partie du grand parc naturel Kruger. C'est ici que Fabrice et Marion gèrent une réserve animalière. Motswari signifie conserver. C'est donc symbolique. Nous devons tout faire pour préserver ce dernier bastion de beauté. On a plusieurs fermes et si on consolide toutes les fermes, on a à peu près 1200 hectares. Mais on a des accords avec nos voisins et on a l'autorisation de passer chez les uns chez les autres. Et donc nous traversons avec les clients de Motswari environ 12 000 hectares. D'origine parisienne, Fabrice a rencontré Marion il y a 21 ans. Depuis, sa vie a radicalement changé. On a juste construit un toit pour être protégé de la pluie. Et sinon, tout est en permanence ouvert. On a déjà perdu 2 frigidaires. Les hyènes, bien que ce soit complètement hermétique, les hyènes sentent qu'il y a de la viande à l'intérieur. Celui-là était légèrement mâchouillé, mais on a perdu le frigidaire précédent. Elle a carrément fait des trous avec ses dents. Elle a fait tomber l'intégralité du frigidaire. Et tout s'est cassé, et la porte s'est ouverte, et du coup la hyène a eu un excellent repas. Ce sont les parents de Marion qui, sur les berges de cette rivière, ont posé il y a 50 ans la première pierre du lodge. À cette époque, le lit de la rivière était couvert de végétation. Nous l'avons donc débroussaillé pour avoir cette vue. À Motswari, les animaux vont et viennent à leur guise. On a régulièrement des éléphants qui viennent dans le lit de la rivière et qui, parce qu'ils sont relativement hauts, viennent boire dans la piscine. Les animaux ne changent pas leur comportement car nous n'interférons jamais. Et donc, leur milieu naturel est resté intact depuis des générations. Comme ici la faune est totalement sauvage, les safaris sont toujours encadrés par des rangers armés. Avant chaque départ, ils doivent récupérer une arme à l'armurerie. Nous faisons en sorte que nos hôtes bénéficient de la meilleure protection possible en cas d'attaque d'un animal.
Les fusils sont tous de gros calibre. Vous devez calculer la distance qui vous sépare de l'animal. Vous ne pouvez pas lui tirer dessus comme bon vous semble. On compte 15 mètres, puis 10, puis 5. À 5 mètres, vous pouvez tirer. Les règles sont très strictes. En 20 ans de safari, Shadrach a utilisé son arme une seule fois. Au cours d'une marche dans la savane, je suis tombé sur une lionne. J'ai dû lui tirer dessus et la tuer. Mais je ne pouvais rien faire d'autre. Elle était à moins de 2 mètres de moi. J'ai juste eu le temps de lever mon fusil et tirer dans la tête. Elle était déjà dans les airs, en train de m'attaquer. Shadrach est l'un des rangers les plus expérimentés du domaine de Motsvari. Ce matin, il va tenter avec Marion et Fabrice de localiser un rhinocéros pour le safari de l'après-midi. Ici, comme partout dans le Kruger, il n'y a pas de clôture. Les animaux traversent les propriétés. Ils n'appartiennent à personne. Regardez, un éléphanto. Il n'a pas l'air d'avoir plus de 6 mois. Il n'y a pas beaucoup de végétation à manger en cette saison. Alors il casse les branches et tire sur les racines pour apprendre à utiliser sa trompe. Depuis 3 ans, la pression des braconniers a décuplé. Le recevez-vous ? Et les plus touchés sont de loin les rhinocéros pour la valeur de leurs cornes. Leur position est donc gardée secrète. À la radio, vous ne pouvez pas prononcer le mot rhinocéros alors. Non, on utilise un autre nom pour signaler les rhinos. En ce moment, c'est... Pourquoi ? On essaie de les préserver des braconniers. Ils cherchent donc les traces sur le sable. Dans le sable de chemin. Vous voyez, ça ce sont les traces d'un rhino. Un rhinocéros est passé là il y a quelques heures. Regardez, la trace est encore fraîche. Je peux voir la direction qu'il a pris. Il est parti par là. Shadrach entame la traque. Vous voyez son pied ? Là, un petit doigt. Ici, l'arrière du pied. Encore un petit doigt. Et enfin, le gros orteil. Quelques minutes plus tard, il est là-bas. On va s'approcher. Il n'y a pas un rhinocéros, mais deux. À quelques kilomètres de là, c'était à peu près ici. Sean, un autre ranger de Motsvari, guide Fabrice et Marion. C'est ici qu'il y a quelques semaines, il a découvert la carcasse d'un rhinocéros. Ça, c'est une côte. On aurait pu penser qu'il y aurait plus de traces, mais les vautours et les hyènes ont été très efficaces. Voilà un ongle, de pied de rhino. Voilà tout ce qu'il reste de l'animal. C'est de la kératine. La corne est un peu plus dense, mais c'est la même matière que nos ongles. Nos cheveux. Ou nos cheveux. Si ce n'est pas utile pour les animaux, comment cela pourrait-il être bénéfique aux hommes ? Ça n'a pas de sens. Et pourtant, la corne de rhinocéros se vend actuellement sur le marché asiatique au prix de l'or. Dans le Kruger, la nuit tombe en quelques minutes. Les périodes de pleine lune sont les plus dangereuses, car c'est là qu'il y a le plus de braconnage.
Les braconniers peuvent se déplacer sans lumière et ils peuvent tout voir. Ce soir, Marion et Fabrice vont dîner dans la maison de famille. Octavia. Bonsoir Octavia. Depuis que je suis toute petite, je viens ici. C'était il y a très longtemps. Pour aller à l'école, je devais aller plus loin, car il n'y en a pas dans la savane. Lui, c'est mon frère. Il est avec un rhino. C'est en sa mémoire et en celle de mon père que nous avons appelé cet endroit le camp Geiger. Aujourd'hui, la maison de famille a été transformée en lodge pour accueillir les touristes. Tout autour, la savane s'étend à perte de vue. Quelques dizaines de kilomètres plus au sud, vit un autre Français. Philippe Bergeau est arrivé en Afrique du Sud il y a 3 ans. Ce matin, elles étaient un peu couvertes. Enfin, je devinais qu'elles étaient couvertes parce qu'il faisait nuit. Je me suis réveillé assez tôt, en fait. J'étais debout à 5h15. Ancien pilote de ligne, Philippe a construit son avion, un Murphy, de ses propres mains. Oui, alors voilà la rivière, la Salt Spring. Là, on va commencer par survoler dans le domaine de Salzburg, où j'habite. La partie sauvage, là, il y a souvent des animaux, des girafes. En direction de l'ouest, les plaines défilent sur plus de 200 km. Là, on a le parc Kruger à côté. On a toutes les réserves qui sont à l'ouest du parc Kruger ouvertes sur le Kruger, comme Kilpavati, Saint-Vicente, Baloulé, etc. À l'est, les Dragon's Mountains, les montagnes du dragon. Une barrière naturelle qui culmine à près de 2000 mètres d'altitude. L'entrée du canyon est à gauche. Philippe ne se lasse pas de ses paysages. Sous ses ailes, rien n'a changé depuis des millénaires. Ça, de tous les avions ici, tu vois, ça, c'est le plus délicat à atterrir. Tous les ans, en juin, la résidence dans laquelle Philippe s'est installé accueille un show aérien. J'ai mon avion là-bas. C'est quel modèle ? C'est un rebelle, un Murphy rebelle. C'est une marque canadienne. J'ai volé de France jusqu'en Afrique du Sud avec, il y a 1 an et demi. C'était une sacrée expérience. À vol d'oiseau, 2 kilomètres à peine séparent la piste de la maison de Philippe. Il y a la vue sur ces montagnes, le Drakensberg en face, on devine derrière l'entrée du Black River Canyon. C'est pour profiter de cet espace que Philippe a convoyé son avion depuis la France. Mon fils, là, on est tous les deux dans l'avion en vol. On s'est pris avec la GoPro. Là, on aperçoit les côtes mauritaniennes, le désert Namibie. Voilà. « 22 jours d'aventure, une traversée de toute l'Afrique. » Depuis peu, Philippe a lui aussi décidé de rejoindre la lutte anti-braconnage. Logiquement, c'est dans les airs qu'il y participera.
Alors on hisse le drapeau français tous les jours. Et aujourd'hui il y a un peu de vent, donc il va bien flotter. Parce qu'en fait j'aime la France et je suis fier d'être français. Donc nous l'affichons en grand. Nous sommes une petite enclave des derniers irréductibles gaulois en Afrique du Sud. Vivre au cœur de la savane, Michel Laforêt en rêvait aussi depuis longtemps. On a acheté cette réserve en 2000, après 3 ans de recherche, parce qu'on voulait vraiment trouver un endroit qui n'avait pas été exploité. Ah, il y en a plein de girafes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elles doivent être plus à l'intérieur. Et donc maintenant, ça fait une quinzaine d'années qu'on est ici. On a tout construit, on a amené l'électricité en souterrain. On veut aucun câble apparent. Son lodge est le seul de la région à proposer des safaris guidés en langue française. Alors quand on explique par exemple le système spongieux du cerveau de la girafe qui absorbe le trop-plein de sang quand elle boit pendant 2 minutes, sinon elle fait un AVC, c'est plus facile à comprendre en français qu'en anglais quand on n'est pas à 100% bilingue. Aujourd'hui, Mopaya est une réserve de 300 hectares peuplée de toutes sortes d'animaux. Il n'est pas du tout agressif, comme vous pouvez le constater, il est même plutôt reconnaissant. C'est bien mon grand, va. Tu y vas ? Ben, je vais redémarrer la voiture, il faut que tu descendes, voilà. Ah, ça c'est Bob. Michel vit ici toute l'année. Là, on arrive dans mon bureau au milieu de la brousse. Alors c'est un petit bureau dans une cabane en bois. Et ça permet quand même d'être lié au monde. Quinze ans de safari en famille. Ce souvenir-là, je pense que c'est le meilleur de tous mes safaris. J'étais assis sur le siège du pisteur, c'était mon fils Oscar qui conduisait le véhicule. Et il y avait des traces fraîches de lion juste devant. Il y avait tous les guests qui étaient derrière. Et moi, je disais, ah, vas-y, là, les traces sont très fraîches, il ne doit pas être loin. Et à un moment, il me dit, ne bouge pas. Et le lion est sur ta gauche. Et le lion passe devant moi, au niveau du genou. Et c'est une dame qui était derrière qui a pris la photo. Je n'ai absolument pas bougé. Il m'a regardé dans les yeux une seconde. Je pouvais lui toucher la tête. Et là, j'ai senti le gros frisson. Et puis, bah, il est parti, il a continué son chemin. Et ça a été un très bon moment en mai 2011. Tous les 3 mois, le lodge accueille 2 jeunes stagiaires français. Voilà. Donc là, l'objectif aujourd'hui, après avoir été dans la grande savane ouverte mardi, ouais, c'est au contraire d'abord de voir la forêt de Mopane. Ce que vous pouvez faire, c'est vous rentrer par la porte de Palabourwa. Aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste qui va guider les clients. Un jeune couple en lune de miel. Tu m'ouvres la porte ? Je t'en prie. Oh, quelle galanterie. Longer la rivière, c'est pas mal. C'est là où il y a des très 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 grands arbres. C'est magnifique. On a beaucoup de chance de voir des éléphants, léopards. On va se laisser guider par les animaux qu'on va trouver. On va prendre la route de Satara et on va se laisser guider par notre ranger JB aujourd'hui. Tout le monde se donne les... Le parc Kruger est grand comme 3 fois la Corse. Alors, là où le bouge commence. Plus de 20 000 km² de savane arborée. Dans l'hémisphère sud, c'est en hiver que l'eau se raréfie. L'accès au point d'eau est très hiérarchisé. Éléphant devant. Oh, les éléphants qui arrivent. Oh, il y a un petit, il y a un petit. Ah oui, très bien. Il y a un petit, il y a un lion. Ah, il y a un éléphanto, regardez les éléphantos. Ah bah c'est l'heure du... Ils vont aller boire. Ça c'est génial. Ah, encore, film, film. Encore. Depuis peu, le Kruger est ouvert sur le Mozambique pour permettre la migration des animaux. Et ici, on aime bien parce qu'il y a un petit point de vue en haut des rochers, là, où on a une superbe vue sur la rivière. Voilà la vue sur le Kruger. Et le Mozambique devant nous, derrière les montagnes de l'Ebombo. Ouais.
L'accès au Mozambique a permis de doubler la superficie du parc. C'est ici que Jean-Baptiste a décidé de s'installer. J'ai tout lâché là en France, c'est pour commencer ma nouvelle vie ici, ça c'est sûr. Le niveau de vie ne m'intéresse pas, je m'en fiche de gagner de l'argent ou pas. Si je peux tous les jours me réveiller et aller dans le bush, ça me suffira. Ouais. Sur le chemin du retour... Ah mais c'était beau là, marcher sur la route avec le soleil dessus. Ah, c'est génial. Ouais, vous avez vu la taille des pattes là. Un lion solitaire prend possession de son territoire. Magnifique, hein. Oh là là. C'est pour lui, ça. On avait mis sur la liste de mariage une course-poursuite. Avec les lions ? Ah bah c'est bon. Bah voilà. Ah, you have a good visual, or you want to move. JB a rempli sa mission. Les jeunes mariés sont comblés. Wow. Faudra nous l'envoyer, celle-là. Mm. Elle est super. Le lendemain matin, Cléa, la jeune stagiaire de Mopaya, a organisé une rencontre insolite. Oh, ils sont si mignons. Nous sommes des professionnels. Et notre devoir, c'est de veiller à votre sécurité. Ces deux guépards sont nés sur la propriété. Ils sont sauvages, se nourrissent seuls. Ils tolèrent cependant la présence humaine sous certaines conditions. Vous pouvez vous approcher et le caresser comme ça. Il adore ça. Vous voyez, c'est ça qu'il aime. Vous le grattez et vous le caressez à cet endroit. Sébastien est le premier à se lancer. C'est un gros chat. C'est... Ok, maintenant levez-vous et laissez-lui de l'espace. Et venez par derrière. Passez toujours par derrière. Jamais par devant, sinon il peut vous donner un coup de griffe. Cléa ouvre la voie pour Aurore, qui n'est pas du tout convaincue. Donc l'oreille, hein. Tu peux ici. Là. Ah, nickel. C'est moins agréable qu'un chat. Hein. Ouais, c'est moins doux. Hein. Mm-hmm. Mais en même temps, tu te dis s'ils avaient le poil aussi doux qu'un chat, je pense. À l'autre extrémité du parc Kruger. Donc à partir de maintenant, on regarde. Michel guide un safari sur la rivière Olifant. Il y a un crocodile qui traverse. Il est énorme. Énorme crocodile. Ils arrivent comme ça, ces gros crocodiles, là, il faut au moins 5 mètres, à capturer des petits hippopotames. La rivière Olifant n'est jamais à sec. Et sur les berges, il y a de l'herbe verte, ce qui permet aux animaux d'avoir du feuillage et de l'herbe toute l'année. Donc en hiver, quand c'est très très sec, évidemment, la rivière Olifant va attirer énormément d'animaux. Au fil de l'eau, les animaux se laissent approcher au plus près. Je fais toute l'année ce que les autres rêvent de faire quelques jours. Donc, je suis un homme heureux. Un équilibre pour lequel Anna a elle aussi décidé de se battre.
Elle retrouve ses amies sud-africaines, Shannon et Myriam, au centre hippique de Hoogspruit. Passionnée d'équitation, Anna a quitté son île natale de la Réunion il y a 5 ans. Elle développe aujourd'hui des safaris à la carte, en voiture ou à cheval. Les animaux, donc du coup, ils entendent les bruits du pas du cheval et ils ont l'habitude. Et ils ne nous voient pas en tant que forme humaine, donc moins menaçant. Donc on peut approcher vraiment très près les girafes, les zèbres, il n'y a aucun souci. Tant que le cheval est habitué, parce que parfois ça peut être impressionnant aussi pour les chevaux de voir une girafe et c'est eux en fait qui paniquent comparé aux animaux sauvages. Okay, are we going? Cet après-midi, Anna va explorer un site qu'elle souhaiterait ajouter à son programme. C'est une vidraille. Je me réveille le matin, j'ai les girafes dans le jardin, j'ai le porc-épic qui vient presque tous les soirs à la maison. C'est vraiment une vie de petit paradis sauvage. Good boy. Anna vit dans une réserve au beau milieu du bush. La chiche. Baby. Il vit où ? Il vit dans le toit. Il a déménagé. Quand il était tout petit, on le mettait dans le placard. Et après, donc, il a déménagé tout en haut du plafond. Okay. Hey, what are you stretching ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un petit galago. Son nom, c'est Galago Moroli. Et en fait, c'était un petit primate. Un tout petit singe, c'est un des plus petits que tu peux trouver sur la planète. Voilà, ça c'est la gratouille sous la patte, ça c'est la meilleure. À 26 ans, Anna s'est parfaitement intégrée à la vie sud-africaine. Ce week-end, elle retrouve un groupe d'amis pour une expédition dans les montagnes. J'adore cet endroit, je pourrais y aller des centaines de fois sans m'enlacer. On ne dort pas toujours là-bas parce que ça demande une grosse organisation. Il faut des tentes, des couvertures. En moins d'une heure de piste, le changement de climat et de végétation est spectaculaire. Donc on arrive au niveau de la forêt tropicale, donc qui est très humide. À chaque fois, en fait, ce qui se passe, c'est que les nuages restent coincés au niveau des montagnes et donc ils remplissent l'air avec beaucoup d'humidité. Le Marieskop est un parc naturel protégé. Le prix d'entrée dépend du nombre de tentes. Bon, combien de tentes ? Une, à l'extérieur. Quoi ? Une seule tente pour vous tous ? Monsieur Sally ne fera pas recette aujourd'hui. Vu qu'on est en montagne, ce ne sera pas la faune qu'on retrouve dans la savane comme dans le parc Kruger, mais il peut y avoir encore des léopards, des koudous, toutes les antilopes de montagne. Le parc doit sa renommée à sa rivière. La Blyde River, au fil des siècles, a creusé dans la montagne un canyon de plusieurs kilomètres. Nature, on a le droit de faire ce qu'on veut. Vraiment, c'est incroyable. On est au milieu de nulle part. Ça nous a pris environ 2 heures pour venir jusqu'ici. Et là, on se retrouve dans un monde magique. C'est incroyable.
Pour protéger ce paradis, Anna n'a pas hésité à s'engager. Alors là, ce sont quelques snares, donc quelques pièges, quelques collets qu'on a trouvés dans des réserves sur lesquelles on travaille en fait. Là, ce serait par exemple du rhinocéros ou de la girafe ou encore tous les gros animaux comme les buffles. La dernière réserve sur laquelle on a travaillé, ils n'avaient pas d'équipe d'anti-braconnage. On est arrivé sur le terrain, on a trouvé 200 pièges. Depuis son arrivée en Afrique du Sud, Anna collabore avec ProTrack, une société privée spécialisée dans les opérations anti-braconnage. Moi, ça fait partie de ma vie de tous les jours. J'entends « one rhino down, two rhino down ». C'est, j'entends le décompte tous les jours. Je ne veux plus l'entendre, en fait. L'année dernière, en Afrique du Sud, plus de 1200 rhinocéros ont été tués par les braconniers. Aucune réserve n'est épargnée. Allez, on va voir ce qui se passe. Chez Jonathan Beretta, les hautes clôtures électrifiées et la coupe systématique des cornes à titre préventif ne suffisent pas à protéger les rhinocéros. Ce rhino a été blessé deux fois par arme à feu et une autre fois avec une sagaie. Ses jours sont comptés, ils l'ont touché au visage. Heureusement, l'alerte a été immédiatement donnée. Le vétérinaire est monté dans l'hélicoptère et on l'a repéré et endormi. Et je faisais partie en fait de l'équipe à terre et en fait donc on passe une corde dans les pattes du rhino pour l'aider à tomber sur le côté. On lui met un bandeau sur les yeux et après on a commencé à le traiter. Qu'est-ce qu'il avait ? Il avait une balle qui était rentrée en fait sous l'œil gauche. Et on s'est rendu compte avec le détecteur de métal que la balle était restée coincée de l'autre côté de la mâchoire. Depuis cette attaque manquée, et malgré leurs cornes coupées, trois rhinocéros ont été tués. Six heures du matin, camp de formation de la société ProTrack. 30 recrues ont 5 semaines pour devenir des rangers professionnels. On fait ça par amour de la nature, pour préserver cet endroit pour les générations futures. Le braconnage, c'est une histoire sans fin. On ne gagne pas beaucoup d'argent dans ce métier. C'est vraiment par passion qu'on fait cela. Left, Johnny. 1, 2, 3, 1. Stem that for the night. Quick march. Les instructeurs du camp sont d'anciens militaires. Ici, chaque candidat paye sa formation, environ 1000 euros. Et s'il abandonne, il perd son argent. Qu'est-il arrivé à ton coéquipier ? Il a abandonné. Quand ça ? Je ne sais plus très bien, il y a 3-4 jours, mais il s'est blessé. Oh mince ! Vous êtes tous prêts pour l'épreuve de tir ? Les épreuves de tir sont éliminatoires. Guys, make sure bon les gars, maintenant vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris depuis plusieurs jours, vous m'avez compris ? Yes, il n'y aura pas de deuxième chance, pas de désolé sergent, est-ce que je peux réessayer ? Vous échouez, vous rentrez à la maison, c'est compris ? Understood. Yes, sergeant. Dans un premier temps, vous allez tirer une salve. Leur formation terminée, les rangers sont envoyés sur le terrain. Ils partent par équipe de deux. Et en fonction de la superficie de la réserve, on envoie plusieurs équipes. Et après, ils restent pendant 16 jours
sur la réserve. Pour survivre dans le bush, c'est de l'eau potable, vous pouvez boire maintenant. Il faut savoir être autonome. C'est vraiment potable ? Oui, la raison pour laquelle vous pouvez avoir confiance en cette eau, c'est qu'elle est filtrée grâce au sable, surtout à cette profondeur. Les hommes doivent aussi apprendre à faire face à des braconniers armés. Ennemi en vue à 12h, l'as-tu vu ? Préparez-vous à avancer. Alpha à gauche, Bravo à droite. Alpha 1, 2, 3, 4, à genoux. Dès que je suis à genoux, je tire. Cock and release. Arme de guerre. Balle réelle. Les entraînements sont des préparations militaires. J'aime le danger. Et j'aime les poussées d'adrénaline. Ça va être une bonne année. Je connais mes points forts et aussi mes points faibles. Je sais à quoi je m'engage et je suis très enthousiaste. Les deux tiers de cette promotion ont réussi leur épreuve. Ils seront bientôt déployés dans le bush. À Motsvari, Fabrice et Marion viennent d'apprendre une mauvaise nouvelle. Ils ont trouvé une carcasse d'un rhino sans cornes. Ensuite, ils nous donnent les coordonnées GPS. Et c'est signé Marc Shaw. Et c'est une scène de crime. Donc on va l'appeler, on va essayer d'aller voir. Si on regarde le plan, Motsvari est ici, exactement ici le camp. Et ça se trouve au nord, juste à la frontière avec le Kruger Park. Bonjour Marc, comment allez-vous ? Désolé, on a un peu de retard. C'est bon, pas de problème. La carcasse était là depuis combien de temps ? À peu près 2 ou 3 jours. Nous étions en patrouille à pied et nous avons vu les vautours qui tournoyaient. On a appelé les rangers du Kruger et ils nous ont dit qu'ils avaient attrapé 2 gars ce samedi. Oui, c'est ce que j'ai lu. Et maintenant vous allez faire des prélèvements d'ADN ? Exactement, ça pourrait nous permettre d'établir un lien. Nous arrivons sur la scène du crime. Les rangers du parc Kruger ont sécurisé le périmètre pour qu'aucune trace ne soit détruite. Voilà les traces. Là c'est la mienne. Ici une. Encore une autre et une troisième. Les traces de 3 braconniers ont été identifiées. Un peu plus loin, la carcasse du rhinocéros tué est en cours d'autopsie. Frick Russo coordonne l'opération. Ils ont pris les 2 cornes. Ils ont sûrement utilisé une hache ou une machette pour les prélever. Ça n'a pas été coupé ou scié. Les braconniers ont réussi à s'enfuir avec leur butin. L'enquête commence. Il faut retrouver la balle pour établir un lien avec l'arme du crime. On a besoin d'un détecteur de métaux car la masse à traiter est trop importante. Ça nous donne une indication de l'endroit où chercher la balle. On a essayé de trouver la balle mais sans succès. Elle a dû traverser l'animal de part en part. Frick et ses assistants doivent maintenant prélever plusieurs échantillons de la carcasse. Maintenant, nous allons envoyer ces prélèvements au laboratoire de génétique de l'Université vétérinaire de Pretoria. Ils vont ensuite établir un profil de cet ADN et le résultat sera incorporé dans une base de données. Cet ADN permettra aux policiers de progresser dans leur enquête. Elle sera identique à celle d'un homicide.
C'est ici, au quartier général du parc Kruger, que toutes les opérations anti-braconnage sont déclenchées. Otto Hotch, ancien officier des forces spéciales, est le patron des Rangers. Nous sommes assiégés des quatre côtés du parc. Nous avons 10 à 12 groupes de braconniers en activité quotidiennement dans le parc. Pour les combattre, les Rangers sont équipés comme des commandos. Fusils d'assaut, lunettes à vision nocturne, GPS, radio et kit médical d'urgence. Il s'agit de protéger et d'équiper nos hommes pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Parce qu'un soldat bien équipé et motivé sera plus redoutable sur le terrain. Le centre de commandement coordonne tous les services liés à l'anti-braconnage. Voici le commandant en chef de la police. Il est assisté par un capitaine que vous voyez assis là. En théorie, les peines de prison sont de plus en plus lourdes, mais peu de braconniers sont traduits en justice. Alors sur le terrain, les règles d'engagement se sont durcies. Vous savez combien de braconniers sont morts l'année dernière ? Vous savez, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je peux vous dire qu'il y a eu effectivement des morts. Je n'aime pas en parler. Nous ne publions pas les chiffres, mais nous avons neutralisé des braconniers. Certains ont été légèrement blessés, d'autres plus sérieusement. Et enfin, certains n'ont pas survécu. Ça arrive malheureusement. C'est donc non officiellement que près de 150 braconniers ont été tués l'année dernière. Mais malgré les risques, la pression ne se relâche pas, car le prix de la corne de rhino ne cesse d'augmenter. En Asie, un kilo de corne de rhino vaut 55 000 euros, presque deux fois plus qu'un kilo d'or. Et une corne peut peser jusqu'à 7 kilos. Allons voir les hélicoptères. Les conséquences sont dramatiques. L'année dernière, le parc Kruger a perdu 827 rhinocéros. This is Yaku. Je vous présente Yaku. Yaku Mol. Yaku pilote l'un des quatre hélicoptères de surveillance du parc. Il effectue plus de 40 missions par mois. En moins de deux heures, il peut intervenir n'importe où dans le parc. Pour surprendre les braconniers à découvert, les hélicoptères de surveillance sont les seuls à être autorisés à voler à très basse altitude. C'est de nous rendre sur les lieux où il y a eu des coups de feu ou si on a repéré des traces. On dépose une unité puis on survole la zone pour mettre la pression sur les braconniers. Ça permet aux rangers et aux chiens de faire leur travail sur le terrain. 300 rangers armés sont en permanence déployés dans le bush. Et pourtant, 2 à 3 rhinos y sont tués chaque jour. Regardez, il y a une carcasse de rhinos là. On l'a trouvé deux jours après qu'il l'ait tué. Ah ouais, juste en face de nous. Vous pouvez voir les côtes. Si le massacre continue à ce rythme, dans moins de 10 ans, il n'y aura plus aucun rhinocéros en Afrique du Sud.
participer à cette lutte contre les braconniers, Philippe a rejoint depuis peu un groupe de pilotes bénévoles qui effectue des vols de surveillance. Ce matin, il fait un vol d'essai pour leur prouver qu'il est opérationnel. C'est un pilote sud-africain qui supervise le test. Quelle est la meilleure zone à survoler aujourd'hui ? C'est la région qui est patrouillée par les grues. Baloulé, Klaseri et le Timbavati, Salati. Où se trouvent les limites des réserves ? Ici, par exemple, c'est la région de Salati. Je connais très bien cette région. Et là, c'est toute la région de Baloulé. On connaît tous les points chauds de la région, et c'est là que l'on va. On s'y rend très rapidement, juste pour faire une opération de surveillance. On fait ce survol chaque semaine. Les vols se font toujours à deux, un pilote et un observateur. Will you mind if I use my own headset? Ça vous dérange? Do you mind if I use this? Non, pas de problème. Non. La contribution de Philippe est précieuse, car son avion est parfaitement adapté au vol de surveillance. Ouais, c'est un très bon appareil. Il peut voler lentement et en plus il est très stable. Ouais, on peut voler à 65 nœuds sans problème. Ah, vraiment ? On fait un tour du côté de ce groupe d'éléphants et puis on peut faire demi-tour. Ils ne vont pas trop aimer cela. Tous les gros animaux menacés sont géolocalisés en temps réel sur la carte. En 26 minutes de vol, Philippe et Yako ont fait le même travail de comptage qu'une patrouille durant toute une journée. Cela permet aux rangers au sol de patrouiller efficacement autour d'eux. Thank you very much. Merci beaucoup. C'était un bon vol. On en a pris plein la vue. Philippe a passé l'examen. Il est officiellement admis au sein de l'escadrille anti-braconnage. Au sol, les unités de rangers travaillent étroitement avec les pilotes. Pendant 48 heures, nous allons accompagner leur patrouille dans le secteur du Timbavati. Dans ce camp, 6 rangers se relaient en permanence. C'est un vieil avant-poste. On l'utilisait de manière occasionnelle dans le passé. Et aujourd'hui, avec le braconnage qui empire, on l'occupe en permanence. C'est l'un des points chauds de la région, là où les rhinos sont tués. Frédéric et Olen entament aujourd'hui leur rotation. Parce que le camp est totalement isolé dans le bush, les rangers ont dû construire une barrière d'enceinte électrifiée. Les éléphants s'approchent de la barrière et puis on entend. Après on sort et on les fait déguerpir. Au sol, les rangers sont à armes égales avec les braconniers. Ils emploient les mêmes ruses, les mêmes techniques. Anti-tracking. Avec cette technique, si des gens nous suivent, ils ne pourront pas savoir si ce sont des traces d'hommes ou d'animaux. À la saison sèche,
Les points d'eau sont des zones particulièrement sensibles. Les braconniers utilisent ces endroits pour repérer des traces de rhinos, pour voir s'ils sont venus boire. Ensuite, ils les suivent et ils les tuent. Pour nous montrer comment les braconniers procèdent, Olen suit une trace toute fraîche. Le rhino n'était qu'à quelques centaines de mètres du point d'eau. À cette distance, l'animal est totalement vulnérable face à un braconnier armé. Ce soir, Frédéric et Olen doivent participer à un vaste déploiement nocturne. On a perdu un rhino récemment. Et avec cette pleine lune, on pense qu'il va se passer quelque chose ce soir ou dans les prochains jours. Sur plus de 10 km par binôme, les rangers sont positionnés le long de la piste. Leur mission est de voir sans être vu. Si un animal s'approche, un lion ou un éléphant par exemple, il ne faut pas bouger. Si on est bienveillant, ils ne nous feront aucun mal. On doit se respecter mutuellement. Olen et Frédéric s'installent pour la nuit. Tout autour, dans l'immensité du bush, les rangers ne sont pas les seuls à l'affût. Une lionne suit patiemment un troupeau de buffles. Elle chasse seule, dans l'espoir d'isoler un jeune. Juste en bordure du parc, à Mopaya, chez Michel Laforêt. Là, ils sont allés boire, ils se reposent et ils allaient repartir, je pense. Donc on arrive au bon moment. C'est l'heure du ravitaillement. Joli groupe de gnous. Jean-Baptiste pour Michel ou Cléa, pour me recevez. J'écoute. Oui, il faudrait couper la pompe, ça y est, le point d'eau déborde, il est plein. Ok, bien reçu, je la coupe. Et voilà, donc une arrivée de gnous. Donc là, ici, ils ont un comportement tout à fait étonnant parce qu'ils savent qu'on vient pour leur apporter à manger et qu'on ne les a jamais pourchassés ni blessés. Et donc, voilà, je peux me promener pratiquement au milieu d'eux, presque les toucher. Chez Michel, c'est un peu l'arche de Noé. Come boys, come! Là, en l'occurrence, si on ne mettait pas d'eau ici, si on ne mettait pas de fourrage, eh bien, ces animaux iraient migrer vers la rivière Oliphant, à une douzaine de kilomètres. Mais il peut y avoir des clôtures entre, il peut y avoir des obstacles. Et donc, ils ne peuvent plus le faire comme ils le faisaient autrefois. Donc, à nous de compenser. En fait, je remets simplement ce qu'on a enlevé. À Mopaya, comme dans le parc Kruger, les incursions de braconniers sont de plus en plus fréquentes. Cléa est en train de damer les pistes, la piste principale et les pistes extérieures, de manière à ce que l'équipe anti-braconnage de nuit puisse voir des traces fraîches éventuellement, ou de braconniers ou d'animaux. Ça va Cléa ? Vous avez vu quelque chose de particulier ou rien de spécial? Un petit rafisseur champêtre qui est venu me dire bonjour. D'accord, mais pas de problème sur la clôture, pas non. De... Tout okay, va bien. Nickel. Et vous l'avez testé? Ouais, pas de soucis. Il y a du courant? Il y a du jus partout. Tout va bien? Ouais, impeccable. Malgré la clôture électrifiée, Michel a récemment eu une très mauvaise surprise. Donc voilà, en fait,
quand j'ai pisté ces braconniers, je me suis réfugié derrière cet arbre, puisque le braconnier qui était ici même est parti en courant et a commencé à tirer. Donc je me suis caché en fait derrière l'arbre. Voilà, j'étais ici et donc j'ai attendu qu'il tire tout son chargeur. Étant donné que c'était de nuit, il ne pouvait pas me voir. Et il tirait un peu dans tous les sens. Et après, donc, j'ai pu me mettre en position. Et à ce moment-là, j'ai pu tirer à droite, à gauche, au-dessus pour le faire partir. Et l'équipe anti-braconnage des trois gardes qui travaillent avec nous l'ont intercepté un peu plus loin. Aujourd'hui, Michel a embauché trois gardes privés. Take your pepper gun and shoot the... Shoot white box. Chaque mois, les gardes s'entraînent au tir avec des pistolets à air comprimé. Now it's open, you see? La sûreté est enlevée. Now you can shoot. On peut tirer. Attention, il est chargé. L'un des gardes est nouveau. Utilise les deux mains. Oh, no, 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 no. Non, non, regarde your la ligne de mire. Regarde bien la ligne de mire. Vise bien. You see, you got it, but you have to be from here. To there, you see? Okay. Now, tu as 7 balles dans le chargeur. Les braconniers vont de moins en moins venir nous visiter. Et évidemment, le problème se déplace ailleurs, où il faut que les autres fassent la même chose. Mais on fait notre police nous-mêmes. Mais Michel n'est pas venu dans le Kruger pour faire la police. Ce qui lui plaît plus que tout, c'est de partager sa passion de l'Afrique. Alors ça, c'est une tour d'observation qu'on a construite avec mon fils Oscar pour avoir une vue absolument imprenable sur tout le parc Kruger, les montagnes de Drakensberg et les réserves privées. Et on peut voir à 100 km à la ronde, c'est un endroit assez magique. Certains voient dans cette forme là-bas un sphinx qui serait en fait l'incarnation des lions blancs. Un signe particulier puisque les lions blancs sont des divinités ici pour les peuples Shangaan de la région. Jean-Baptiste et Cléa rejoignent Michel pour un moment privilégié. Un verre pour Cléa. Un verre au coucher du soleil, juste au-dessus de la savane africaine.